Bonjour! Chaque fois que je donne un cours sur les visions de Daniel, ça m'enthousiasme. C'est très intéressant et stimulant. Et beaucoup de gens ignorent tout de ce sujet. À la fin de la leçon précédente, j'ai dit qu'avec la suivante, on allait passer à la vitesse supérieure. Je n'avais pas prévu de dire ça. Mais à la réflexion, je crois que c'est vrai. Avec ce chapitre, Daniel 7, nous allons vraiment passer à la vitesse supérieure. Disons que cela ressemble à l'escalade d'une montagne. Quand on fait de l'alpinisme, on commence par établir un camp de base. Ce n'est pas extrêmement rigoureux. Vous voyez déjà le sommet tout en haut, mais vous n'avez pas encore commencé à escalader la montagne. Ensuite, c'est le camp numéro 1. Les difficultés commencent. L'ascension n'est pas encore trop difficile. Mais une fois le premier camp installé, vous êtes prêt. C'est un peu ce que nous avons fait jusqu'ici. Avec la leçon d'introduction à la prophétie biblique, nous avons en quelque sorte établi le camp de base. Nous avons commencé à voir la montagne de la prophétie, la vision de Dieu qui embrasse le passé et le futur. Ensuite, nous avons étudié le chapitre 2 de Daniel. Je suis toujours émerveillé de constater que cette vision n'était pas seulement pour cette époque-là, pas seulement pour Daniel et Nabuchodonosor et pour leurs peuples respectifs. Mais ce chapitre, facile à comprendre, nous a permis d'apprécier les fondements de la prophétie et la façon dont Dieu nous représente les nations de ce monde et son royaume futur. Daniel 2, c'était notre camp numéro 1, établi au pied de la montagne de la prophétie. Maintenant, nous allons commencer l'escalade proprement dite. Qu'est-ce que j'entends par là Ce que je veux dire, c'est que nos deux premières leçons étaient une préparation pour Daniel 7. Dans ce chapitre, Dieu va développer ce que nous avons déjà appris. Il va répéter les mêmes informations, mais en y ajoutant des détails supplémentaires, des nouveaux personnages, des événements importants du futur. Le chapitre 7 de Daniel commence par ces mots. La première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, Daniel était couché sur son lit et il eut un rêve. Il s'agissait de vision. Il consigna le rêve par écrit. La scène se passe en 553 avant Jésus-Christ soit 45 ans après Daniel II. Daniel a servi le roi de Babylone toute sa vie en tant que conseiller royal. Il est alors âgé d'une soixantaine d'années. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais, et voici que les quatre vents du ciel agitaient la grande mer. Quatre bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. Ce chapitre contient des vérités profondes. Je vais essayer de faire le plus simple possible pour que ceux qui l'étudient pour la première fois puissent bien comprendre. Je vais m'adresser à ceux qui sont nouveaux venus aux prophéties de Daniel. En même temps, j'espère pouvoir expliquer certains de ces événements mystérieux sans trop entrer dans les détails. Je vais vous expliquer ce que ces quatre bêtes représentent. Vous vous souvenez des quatre royaumes de la statue de Daniel 2. Eh bien, ces quatre bêtes représentent les mêmes royaumes. Au verset 17, quelqu'un dit à Daniel, Ces quatre bêtes énormes représentent quatre rois. Et au verset 23, La quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra. Donc, ces quatre bêtes représentent quatre rois et leur royaume, comme dans la statue du chapitre 2. Mais ici, Daniel est tellement abasourdi par ce surplus d'informations, par ces nouveaux personnages, ces nouveaux événements, qu'on doit lui montrer la vision trois fois de suite. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Alors, si les bêtes de Daniel 7 correspondent à des parties de la statue du chapitre 2, à quoi correspond la première bête, le lion Dans le rêve de Nabuchodonosor, il est représenté par la tête en or. Ici, Babylone et lui sont représentés par un lion, le roi des animaux. Ses ailes arrachées et le cœur humain qui lui est donné symbolisent l'humiliation de Nabuchodonosor à cause de son orgueil et son salut lorsqu'il se tourne vers le dieu d'Abraham et de Daniel. Le récit complet de ces événements figure dans Daniel 4. Daniel 7, 5 Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule trois côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait ⁇ Debout, mange beaucoup de chair ⁇ Nous savons que le royaume qui a succédé à Babylone était celui des Mèdes et des Perses. Est-ce que l'ours représente leur royaume En Daniel 2, les Mèdes et les Perses étaient représentés par deux bras en argent. Ici, ils sont représentés par un ours dressé sur un côté. On retrouve la symbolique du royaume double avec un côté plus fort que l'autre. Qu'en est-il des trois côtes Est-ce un détail significatif Elles pourraient symboliser les trois anciens empires qui ont précédé l'ours, l'Égypte, la Syrie et Babylone. Ou bien les côtes représentent peut-être trois royaumes conquis par les Perses, la Médie, la Lydie et Babylone. Pourquoi un ours Quand les Perses partaient en guerre, en général, ils avaient une immense armée, constituée des armées de plusieurs nations, Unis sous la bannière perse, ils pouvaient aligner jusqu'à un demi-million d'hommes sur le champ de bataille, et ils écrasaient leurs ennemis par leur nombre, comme un ours gigantesque. Verset 6. Après, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard avec quatre ailes d'oiseau sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné. Si le lion était Babylone et l'ours l'empire médo-perse, alors, celui-ci doit représenter la Grèce. Tout comme le ventre et les cuisses de bronze représentaient la Grèce dans Daniel II, ce léopard symbolise lui aussi l'Empire grec. C'est un des animaux terrestres les plus rapides du monde, qui dépeint très bien Alexandre le Grand et sa conquête éclair du monde connu de son époque en à peine 10 ans. Mais Alexandre est mort alors qu'il avait à peine 30 ans sans laisser d'héritier, et son royaume fut partagé entre ses quatre généraux. Donc ce léopard à quatre têtes était une prédiction extraordinaire de l'empire grec du futur, révélé à Daniel plus de 200 ans avant son avènement. Jusqu'ici, ce n'est pas très différent de ce que nous avons vu au chapitre 2. Mais maintenant, nous allons voir des choses nouvelles. Et il est clair que c'est cette partie de sa vision qui a le plus intrigué Daniel. Verset 7. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête effrayante, terrifiante, d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait, piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée, elle avait aussi dix cornes. En Daniel 2, nous avons vu que les jambes de fer, les pieds, leurs dix orteils, représentant Rome, étaient le royaume qui succéda à la Grèce. Ici, c'est presque la même chose. On a une grande bête à dix cornes et aux dents de fer, terrifiante, qui déchiquetait et piétinait. L'image même de l'empire romain. Daniel continue. J'observais ces cornes, et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. Trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance une petite corne qui arrache trois des premières cornes qu'est-ce que c'est Daniel devait probablement se poser la même question mais il n'a pas eu le temps de le demander parce qu'ensuite il a vu ceci pendant que je regardais on a placé les trônes et l'ancien des jours s'est assis son vêtement était aussi blanc que la neige les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure son trône était de flammes ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient. Des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas. Et son royaume ne sera jamais détruit. Après sa vision des quatre bêtes, Daniel est emmené au ciel, près du trône de Dieu, l'ancien des jours. C'est une des visions les plus intrigantes de Dieu et de son trône dans toute la Bible. Au verset 10, on nous dit des dizaines de milliers le servaient, des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Des millions d'êtres le servaient. Des centaines de millions se tenaient devant lui. À l'époque, cela devait représenter toute la population du monde. C'est peut-être ce que cela signifie. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. L'ancien des jours, Dieu le Père, siège pour rendre un jugement. Les livres sont ouverts. Nous connaissons tous l'expression le jugement dernier. Vous serez surpris de savoir qu'il n'y aura pas qu'un seul jour de jugement. Nous en reparlerons plus tard. Verset 11. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Il est temps d'expliquer qui est cette petite corne. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours des gouvernements de l'homme, un dictateur possédé du démon va temporairement sauver le monde de la destruction, juste avant que Jésus ne revienne gouverner la terre. C'est la première fois qu'il est présenté de façon aussi claire dans la parole de Dieu, mais par la suite, il va apparaître plusieurs fois dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse. Il sera considéré comme le plus grand dirigeant que le monde ait connu, suffisamment intelligent pour résoudre tous les problèmes économiques, politiques et même religieux de la planète. Satan peut parfois apparaître comme un ange de lumière. Ce dictateur séduira le monde entier avec ses paroles onctueuses et ses actes quasi miraculeux. Mais il finira par s'opposer à Dieu, à la vérité et à l'amour, et finalement, il exigera que le monde entier l'adore et lui obéisse. Mais, comme l'explique ce verset, il sera abattu et son corps sera livré au feu. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Là, il ne s'agit pas de la bête, l'antéchrist des derniers jours. Il s'agit des autres bêtes que nous avons vues au début et qui représentaient les nations du monde. Au cours du futur royaume de Dieu sur Terre, les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Ces nations ne se gouverneront plus elles-mêmes dans le royaume de Dieu sur Terre. Elles ne seront plus indépendantes ni souveraines mais elles seront gouvernées par Jésus et ses disciples. Daniel 7, 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. C'est une des visions les plus remarquables de l'Ancien Testament. Quelqu'un semblable à un fils de l'homme s'avance vers l'ancien des jours. Nous savons que l'ancien des jours est Dieu le Père. Mais ici, on fait approcher de lui le Fils de l'homme. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Là, on a une image de Dieu dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham, qui fait venir le Fils de l'homme devant lui. Le Fils de l'homme reçoit la souveraineté sur toutes les nations et les langues des hommes, le royaume éternel de Dieu, qui ne sera jamais détruit. En Daniel 2, nous avons vu que ce royaume est représenté par une pierre. La pierre frappe la statue représentant les royaumes et les nations des hommes. Et la pierre, le royaume de Dieu, remplit la terre entière. Et là, Il est révélé que le Fils de l'homme reçoit ce royaume des mains de Dieu. Mais qui est donc ce Fils de l'homme Dans le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth s'est lui-même appelé le Fils de l'homme plus de 80 fois. Je veux garder tout cela très simple. Mais j'aimerais maintenant vous montrer quelque chose qui date de 500 ans avant l'époque de Daniel, quand quelqu'un a entreaperçu cette scène du trône au ciel. Le roi David a décrit ce qu'il avait vu dans le psaume 110. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Nous avons ici l'Éternel et le Seigneur. C'est encore la même image, mais qui date d'une période antérieure. L'Éternel, l'ancien des jours, sur son trône, s'adresse au Seigneur de David, le futur Messie, et l'invite à s'asseoir à ses côtés. Et David savait que ce Messie à venir serait l'un de ses descendants, ce qui était le cas de Jésus. Donc cette vision des trônes dans Daniel 7 n'était pas la première fois que cette vérité était révélée à un prophète de Dieu. Imaginez un peu comment Daniel s'est senti après avoir vu cela. En fait, on n'a pas besoin de se l'imaginer puisqu'il nous le dit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié daniel ne s'étend pas sur le sujet mais on peut voir qu'il était secoué ses visions l'ont terrifié que pouvait-il faire nous allons voir je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout ça il m'a répondu en me faisant connaître l'explication d'autres personnes étaient-elles présentes quand il a eu cette vision non il est clair que daniel était profondément parti dans l'esprit à ce moment-là il avait un pied dans ce monde et l'autre dans la sphère céleste. Il était dans l'esprit et avait conscience des êtres spirituels qui l'entouraient. Il sentait la présence d'anges et il a demandé à l'un d'eux la signification de ce qu'il voyait. Et, et l'ange lui a répondu. Ces quatre bêtes énormes, dit-il, représentent quatre rois qui apparaîtront sur la terre. Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut et ils le posséderont pour toujours, éternellement. Il n'y a pas beaucoup d'humour dans la Bible, mais ce passage m'a toujours paru très amusant. Daniel venait de voir des choses tout à fait extraordinaires qu'aucun homme n'avait jamais vues, et quand il interroge l'ange, celui-ci se contente de dire ⁇ Ces quatre bêtes énormes représentent quatre rois qui apparaîtront, mais le royaume sera donné au peuple du... ⁇ J'ai toujours pensé que cet ange-là n'était pas très bavard. Et il est évident que Daniel aurait aimé en savoir plus, puisqu'ensuite, il dresse toute une liste des choses qu'il voudrait comprendre. Versets 19 et 20. Alors, je voulus être fixé avec certitude au sujet de la quatrième bête qui était si différente de toutes les autres, cette bête très effrayante, qui avait des dents de fer, des griffes d'airain, qui dévorait, déchiquetait, piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulus aussi savoir ce que représentaient les dix cornes qu'elle avait sur la tête, et l'autre corne qui avait poussé, devant laquelle trois des premières cornes étaient tombées, cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Daniel avait un tas de questions. Mais en étudiant cela davantage, j'ai pensé à une autre raison pour laquelle l'ange n'en avait pas dit beaucoup la première fois. C'était une expérience très intense. Daniel recevait des révélations stupéfiantes et des visions extraordinaires. L'ange savait que Daniel aurait du mal à les comprendre et à les absorber. D'ailleurs, c'est peut-être aussi votre cas en ce moment. Donc, l'ange n'était peut-être pas trop bref. En fait, il prenait volontairement son temps. Il savait que c'était nécessaire pour que Daniel puisse bien absorber et supporter tout ce qu'on lui montrait. Daniel voulait en savoir plus sur la quatrième bête, les dix cornes et la petite corne. L'ange ne lui répondit pas, mais la vision continua. Et je peux vous dire que la suite est plutôt brutale, mais c'est la vérité. Et il y aura un, un heureux dénouement. Versets 21 et 22. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. L'ange commence son explication au verset 23. La quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents, il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. Nous savons déjà qui est la quatrième bête, c'est l'Empire romain, les jambes de fer de Daniel 2. Les dix cornes représentent dix rois qui surgiront de ce royaume. Les dix cornes de la quatrième bête sont les royaumes, des nations issues de l'Empire romain. Est-ce que certaines nations actuelles sont issues de l'Empire romain Bien sûr. L'histoire de nombreuses nations de l'Europe actuelle remonte à l'Empire romain. On peut retracer l'histoire de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, l'Espagne, le Portugal et bien d'autres pays à partir de l'Empire romain. C'est pourquoi beaucoup d'érudits publics sont d'avis que les dix cornes ont quelque chose à voir avec les nations de l'Europe moderne. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera trois rois. Cette petite corne, cette bête, devient le principal protagoniste. Chaque mot est important. Il, c'est-à-dire l'Antéchrist, va se lever après eux. Ce sera peut-être un nouveau venu sur la scène mondiale, après que les dix nations auront été établies comme elles le sont aujourd'hui. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il semblerait que cette bête ne fasse pas partie de ces dix nations et il va en renverser trois. Déjà, au verset 8, nous avons vu qu'il renversera trois rois, ce qui est une description frappante et plutôt violente. Non seulement l'Antéchrist va renverser ce qui semble être trois nations de l'Europe moderne, mais le verset 21 nous dit qu'il va faire la guerre aux saints jusqu'à ce que vienne l'Ancien des Jours. Autrement dit, jusqu'au retour de Jésus, quand il reviendra dans la gloire de son Père. Ces dix nations existeront à ce moment-là, puisque l'Antéchrist en renversera trois, et qu'il fera la guerre au peuple saint jusqu'au retour de Jésus et l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Verset 25. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Ce n'est pas un simple dictateur fou. D'autres passages bibliques indiquent que l'Antéchrist sera possédé par le diable. Pas par un diable, mais par le diable en personne. Et là, au verset 8 et 20, on nous dit, Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, contre Dieu et contre Jésus. Il y a eu d'autres dictateurs dans le passé qui étaient des précurseurs de cet ultime dirigeant mondial, comme certains empereurs romains, peut-être Staline et certainement Adolf Hitler. Des hommes charismatiques, possédant des pouvoirs et des qualités exceptionnelles, qui donnaient l'impression d'être des surhommes quasi divins. On nous dit qu'il opprimera les saints du Très-Haut et qu'il fera la guerre aux saints et l'emportera sur eux. Il se peut que cela vous inquiète. Ou vous fasse peur ce qui serait tout à fait compréhensible mais Dieu ne nous a pas dit ça pour que nous ayons peur il nous l'a dit pour que nous sachions qu'il a le contrôle de tout et pour que nous nous préparions et pour que certains parmi nous se lèvent pour être de puissants témoins de Dieu quand tout cela arrivera c'est la première fois dans la bible que ces événements sont expliqués si clairement mais ce n'est pas la seule fois dans les passages ultérieurs, nous verrons que le tableau n'est pas aussi sombre et que ce n'est pas une défaite aussi totale pour le peuple de Dieu. Mais de prime abord, cela peut paraître catastrophique. Et quand nous lisons qu'il fera la guerre aux membres du peuple saint, cela ne veut pas dire qu'il ciblera un groupe ethnique particulier, ni des saints comme Mère Thérésa ou Saint François. Ici, les saints, ce sont les croyants, les gens qui ont la foi, comme vous et moi. Je crois qu'il combattra les chrétiens. Les Juifs croyants, également les musulmans. Le Coran a prédit l'arrivée de l'Antéchrist, qu'il appelle le Déjal. Les musulmans très croyants refuseront de le vénérer. Et la Bible précise que des nations entières lui résisteront, comme devraient le faire tous ceux qui ont la foi dans le Dieu d'Abraham. L'Antéchrist projettera de changer les temps et la loi. Comme d'autres dictateurs avant lui, il voudra tout changer. Adolf Hitler prétendait que son règne allait durer mille ans. Quand les communistes ont pris le pouvoir en Russie, ils ont essayé d'instituer une semaine de travail de dix jours au lieu des sept habituels. Mais l'expérience a échoué. Cet homme dira que son règne sera l'aube d'une ère nouvelle, ou bien l'étape suivante de l'évolution, pour que le monde entier le suive, ce que, hélas, beaucoup de gens feront. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Voici un des passages les plus mystérieux du chapitre 7. Ils seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Est-ce que l'ange lui révèle la durée du règne de terreur de l'Antéchrist Voyons cela de plus près. Un temps au singulier, deux temps pluriel et la moitié d'un temps. Total. 3 et demi. 3 ans et demi. Vous me direz, le texte ne dit pas des ans. Si c'était le seul verset sur lequel je m'appuyais, ce serait discutable. Mais ce n'est qu'un verset parmi beaucoup d'autres qui indique que la période de terreur par l'Antéchrist durera 3 ans et demi, avant que Jésus ne revienne établir le royaume de Dieu sur terre. Mais alors, la cour de justice siégera et on ôtera la domination à ce roi pour l'exterminer et le faire périr définitivement. Trois ans et demi, c'est tout ce qu'il aura. La cour de justice siégera, autrement dit, ce que Dieu a ordonné aura lieu. Ensuite, on, c'est-à-dire Dieu, Jésus, les anges et nous, ôteront la domination de l'antéchrist et de ses partisans qui seront anéantis au retour de Jésus. Verset 27 Le règne la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Tout est bien qui finit bien. C'est le début du royaume de Dieu sur terre. Et il est dit précisément que ce royaume ne sera pas seulement donné à Jésus, il sera également donné aux membres du peuple saint du Très-Haut. La Bible dit... Que ceux qui croient en Jésus et qui l'ont reçu vont régner avec lui sur la terre. Peut-être que vous l'ignoriez. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très troublé par mes pensées et j'en devins blême. Je gardais ces choses en mémoire. Les pensées de Daniel l'avaient énormément troublé. Même après l'explication fournie par l'ange, il était toujours troublé. Il était tellement affecté que son apparence même en était altérée. Mais il garda ces choses dans son cœur. Nous avons appris beaucoup de choses nouvelles dans ce chapitre. Peut-être vous sentez-vous un peu troublé, comme Daniel. C'est peut-être plus de révélations que vous ne pouvez le digérer. Mais nous avons sauté un palier dans notre ascension de la montagne de la prophétie. Si vous pouvez absorber ces révélations, vous aurez à votre disposition les bases du reste du livre de Daniel ainsi que l'introduction au livre de l'Apocalypse. Notre prochaine leçon portera sur Daniel, chapitre 8. Ce chapitre contient une des plus remarquables prophéties bibliques qui se soit jamais réalisées. Quand on interrogeait Jésus sur l'avenir, il a évoqué des événements mentionnés dans Daniel 8. Donc tout cela est très important pour nous qui attendons dans l'espoir de l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.